La vie est dure et douloureuse. J'ai une solution. N'avez-vous jamais rêvé d'être un escargot ? Quoi, un escargot ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Non, moi non plus. Alors les amis, aujourd'hui, je vais réaliser le fantasme de tout le monde. Nous allons devenir et vivre l'expérience des escargots. C'est une première pour moi, voilà, c'est clairement un tournant pour ma chaîne YouTube, pas du tout. Mais c'est juste, voilà, pour marquer le fait que j'ai envie de découvrir des jeux indépendants et vous partager ça tout simplement. Et là, je suis tombé sur ce jeu qui s'appelle Snail Simulator. C'est un simulateur d'escargot, ça n'a aucun sens. Alors, on a une petite cinématique, déjà, dès le début. C'est grave stylé, on a un Oculus Rift. Ah, j'ai toujours rêvé de porter un casque de réalité virtuelle. Snail Simulator, par Eladio Games. La description du jeu, c'est vraiment « La vie est dure et douloureuse, donc on prend un casque de réalité virtuelle et on se transforme en escargot et tout ira mieux. » Voilà, en gros, c'est vraiment le but du jeu, c'est de s'évader et oublier que la vie, c'est de la merde en étant un escargot. C'est génial. Alors, c'est une bêta, hein. C'est une bêta, bien évidemment. Zone 1. Explore the hub. Waouh! Eh, c'est stylé de ouf! D'accord. Attends, par contre, c'est vraiment trop stylé. Alors, pour le moment, je vois pas en quoi je suis un escargot, mais. On a un hub, on a une petite musique très sympa. Et je comprends rien, mais j'adore la musique. Ça y est, j'ai envie de me marier. Presse E to start. C'est parti. Je veux être un escargot. Yes! Ça y est. Eh, c'est beau! C'est stylé. Oh, on a une grange. Oula, ouais, une maison abandonnée là. Ah ouais, en fait, je suis tout petit. Alors, c'est difficile à percevoir, mais là, j'imagine, je vais aller au sol. Ça y est, je suis tout petit, je suis minuscule, je suis qu'un petit escargot. Alors, ah, je peux quand même courir. Alors, ça se remarque pas trop, hein. Franchement, je vais pas... Franchement, pour un escargot, je vais quand même assez vite. Donc là, on a une belle 206 Peugeot, bien évidemment, c'est faux. Est-ce que je peux sauter ? Non, je peux pas. Bah non, un escargot, ça peut pas sauter, imbécile. Ça, c'est vrai, en fait, être un escargot, c'est vraiment une vie de merde. What? Et je m'attendais tellement pas à ce screamer. Mais il s'est passé quoi? Wouah! Ouais! J'ai réussi ma vie d'escargot, j'ai trouvé le trophée! C'est le trophée du million d'abonnés, c'est faux! Ouais! Presse E to go back, c'est excellent ça, j'adore ce jeu, ça y est, je vais y passer toutes mes soirées. D'accord, donc là on a complété le premier niveau. Excellent, excellent. Ah là, je peux sauter, ça y est, je suis pas un escargot là. Donc là, on vient de faire le classic mode, horror mode. Oh, on voit la... Eh, ça fait peur. Ça fait peur, j'ai pas envie de faire l'horror mode, vas-y, je le fais. C'est parti pour l'horror mode, je suis pas prêt. Hein. Burn down the haunted house. Alors, il faut... En fait, c'est la même maison. Juste dans le noir. Et version horreur. Alors je suis toujours un escargot, hein, j'apprécie. J'ai peur, je sais même pas à quoi m'attendre. C'est ça ce qui est exceptionnel. Et j'ai pas compris ce que je dois faire. Il faut que je brûle la maison. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel, hein, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hein, Il y a un screamer là, c'est sûr, 100%. Ok, on entend des portes qui grincent. Enfin, c'est du bois, mais... Pourquoi moi, personnellement, j'ai peur? Je veux dire, c'est un écran, je veux dire, c'est des pixels, ce que je regarde. Je veux dire, c'est juste de la lumière, des couleurs. Y a rien qui peut me sauter dessus. Y a rien qui peut me... Je sais pas, moi, y a rien qui peut me tuer. Pourquoi j'ai peur? Je suis quand même sur un jeu de simulation d'escargot. Non, y a pas de raison d'avoir peur. Après, je veux dire, je suis un escargot. À tout moment, quelqu'un peut me marcher dessus. Il est vrai, mais il y a du sang par terre. Hein. Je vais baver sur le sang, tel un escargot vampire. Eux, tout sabotage. Ah voilà, faut que je sabote. Ça y est. Et là, je me casse. Oh, c'est trop bien fait. C'est super bien fait. Regardez-moi ça. Run. C'est quoi ça? C'est un méchant. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. C'est quoi ça?
je peux pas, je vais perdre. Voilà, c'est tout. Alors, pour de vrai, 100%, j'étais pas bien. Mais alors, c'est quoi? Donc, moi, je suis un escargot, mais c'est quoi le machin qui m'a poursuivi, là? Ça ressemble... En plus, ça n'a aucun sens. Pourquoi je viendrais... Je veux dire, je suis un escargot. Le but de ma vie, dans ce horror game, il faut que je brûle une maison, enfin, une grange. Donc déjà, ça n'a aucun sens. Un escargot ne brûle pas une grange. Et en plus de ça, une fois qu'il brûle la grange, il y a un truc qui le poursuit, genre un grand chat, je sais pas c'est quoi. Là, va falloir que je run à fond, hein. Mais je suis un escargot, donc je peux pas vraiment courir, quoi. C'est quoi, je vais pas m'attarder sur le truc. C'est parti, je cours. Adieu. Je vais pas le regarder. Je vais courir tel une schneck. Ça m'a surpris. Allez, je regarde pas derrière. Je cours. Enfin, façon de parler. Je bave. J'ai réussi. Je me retourne pas. Je me retourne pas. Je me retourne ou pas? Yes, c'est bon, il s'est fait avoir, regardez. Congratulations, you did it. Eh bah alors? Est-ce que je suis pas le roi des escargots finalement? Est-ce que je suis pas le sauveur de toute une population d'escargots? Donc je peux faire un battle royal d'escargots, c'est trop drôle, vas-y. Oh mais non! Mais arrête! Les mecs! C'est vraiment un battle royal quoi! Regardez, y'a un escargot! Je dois le battre mais je sais pas comment, je connais pas les touches. Oh la zone elle se rétrécit! Oh là! What? C'est trop drôle. Attends, c'est trop drôle. Ah bah il est sorti de la zone. X-Pro Fortniter, c'est beaucoup trop drôle. Let's get lost. Mais c'est beaucoup trop drôle, c'est beaucoup trop drôle. Alors là, j'ai kiffé, tu vois. Alors j'imagine, parce que moi je connais pas, moi Fortnite, tout ça, je suis pas. Mais j'imagine, bon déjà c'était un Allemand, un jeune Allemand, ouais, ça, c'est trop drôle. Mais j'imagine que c'est une référence et que ça doit être un gros rageux qui doit être connu dans le YouTube game, j'imagine. Enfin, je pense que voilà. Mais du coup, moi ça m'a fait rire parce que c'est la première fois que j'entends ça. Et voilà, c'est trop drôle, putain, c'est excellent. En tout cas, vive Fortnite, hein, bien sûr. Hein. J'espère que ça vous a plu, cette expérience d'être un escargot. Moi, vraiment, je l'ai vraiment bien vécu, c'est incroyable. On a passé un bon moment. Moi, franchement, là, j'ai trop envie d'être un escargot, quoi, je veux dire. Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça change de d'habitude. J'ai un peu envie de me diversifier, si vous êtes bien d'accord, de découvrir des jeux vidéo, des jeux indés, pourquoi pas, des jeux d'horreur, voilà. J'ai un petit peu envie de changer, de faire un peu de montage, comme ça, voilà, histoire de changer un peu de Minecraft et de Creativeverse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez bien les escargots. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Je l'ai fait. J'ai fait une vidéo sur les escargots.